Bonjour, aujourd'hui chez MCOB, on va faire un petit tour du PTFT avec quelques autres composants comme une alimentation d'un ampère, ce qui est dans notre cas amplement suffisant. Forcément, le câble d'alimentation USB à micro B, un Raspberry Pi B+, une carte SD préformatée avec le système d'exploitation Raspbian Wheezy adapté par Adafruit pour son PTFT. Comme ça, on peut l'employer out of the box directement. Et comme périphérique d'entrée, on va employer un petit clavier. Parce que bon, c'est toujours difficile de se passer d'un clavier sur un Raspberry Pi. Autant mieux qu'il soit petit et confortable. Donc on va mettre un petit peu ces éléments de côté. On va se concentrer un petit peu sur le PTFT. Les PTFT sont maintenant assemblés. Ils disposent d'un écran de 2 pouces 8. Avec un film résistif. Bon, là, je ne vais pas l'enlever. Le film résistif permet en fait d'utiliser un stylet pour déplacer le pointeur. Vous voyez que c'est toujours un GPIO 26 broches, comme pour le Raspberry Pi B, mais c'est tout à fait compatible avec le Pi B+. Et nous avons là en fait un autre connecteur très intéressant qui nous permettra d'utiliser notre Raspberry avec des systèmes comme les Cobbler, comme ceci. Donc, ce qui permet de brancher et d'avoir des montages complémentaires, puisque le PTFT n'emploie pas toutes les broches du GPIO et on peut avoir ses propres montages. Donc l'ancien Cobbler est toujours bien, bien utile, même avec un nouveau Raspberry Pi. Les Cobbler sont vendus aussi, préassemblés avec tout le matériel, ce qui permet en fait d'avoir des périphériques d'entrée-sortie complémentaires. On peut encore utiliser le bus I2C avec des senseurs de température, par exemple, ou même avoir utilisé un SPI logiciel. On en parlera un peu plus tard pour d'autres types de senseurs. Le fait de pouvoir utiliser un ruban GPIO, même 26 broches, permet en fait d'utiliser des permaproto aussi pour des montages définitifs avec votre Raspberry Pi et le PTFT. Donc, vous voyez ici qu'il y a également quatre emplacements. Ces emplacements sont destinés à recevoir des boutons tactiles. C'est optionnel. Ce sont des tout petits boutons qui viennent prendre place. Il faudra vous les souder vous-même. Voilà, il vient, il faut les insérer. Ce qui est souvent utilisé, c'est le premier bouton là pour une marche arrêt du système d'exploitation. Donc voilà. Eh bien. Sans plus tarder, on va passer à la suite. Donc, on va simplement mettre le PTFT sur notre petit Raspberry. Voilà. Nous allons l'insérer. Comme vous pouvez le remarquer, il prend place tout à fait correctement. Il reste encore au-dessus des ports. Il vient se poser de ce côté-ci. Bon, il faudra peut-être éventuellement placer un tout petit morceau de toile isolante pour éviter les éventuels faux contacts. Mais à mon avis, pas de danger. Et les autres ports restent accessibles, ce qui est pas mal. On va placer l'OS. Donc déjà adapté par Adafruit. Nous allons aussi placer notre petit clavier qui fonctionne en RF dans un port USB. Voilà. Et l'alimentation. Voilà, et c'est parti. Donc le système d'exploitation va charger. Cet écran tactile utilise le SPI matériel, donc il y a deux canaux, CE1 et CE2. Donc vous ne pouvez pas utiliser d'autres périphériques SPI sur le bus matériel. Par contre, Adafruit propose du matériel, comme le protocole SPI est assez simple à émuler. Vous pouvez utiliser d'autres broches du GPIO pour arriver à brancher des périphériques complémentaires. Donc là, on laisse le système d'exploitation booter tranquillement. Voilà.
Et dès que le frame buffer est initialisé, vous voyez, on voit la console, ce qui est déjà très bien. Cet écran peut être utilisé comme console texte, vous pouvez le voir aussi en X-Windows. Il est possible d'afficher des images directement depuis des bash, des commandes bash en shell, et également des vidéos. Donc, j'allumais mon petit clavier pour faire la configuration. Voilà. Alors, on va pas commencer par étendre le système de fichiers. Voilà. Ok. Changer le mot de passe, on le fera après le clavier. La possibilité de passer directement en mode X-Windows au boot, je vous le conseille pas directement parce qu'il faut finir les configurations. International et Language. Hop, c'est parti. On est parti là-dedans. Le keyboard. Parce que par défaut, c'est des QWERTY. Bon. Ah oui, hop. Voilà, donc on va garder un générique. Les autres, et on va commencer à passer sur du clavier AZERTY. Voilà, parti pour la Belgique. Tout ce qui est le plus standard, Enter. On va laisser ça comme ça pour le moment. Voilà. Alors, la consommation de l'écran est d'environ 100 mAh avec le rétroéclairage. On va finir la config comme ça, on va rebooter. Donc il y a également moyen de piloter le rétroéclairage à partir d'une broche du GPIO. Ça, c'est indiqué dans la documentation. Enfin, tout ce qui est fait ici est documenté sur le wiki de MCOBI. Toujours bon à savoir, c'est que en plus du SPI matériel, l'écran PTFT utilise les broches GPIO 24 et 25. Tout le reste, normalement, est censé être à votre disposition. On va laisser l'écran redémarrer. Voilà, c'est reparti. Alors, l'écran est aussi équipé d'un film résistif. Donc, si vous voulez l'employer, vous voulez employer un système de pointage, pensez au bout de vos doigts, comme avec les ongles. Ne soyez pas brutal, n'employez pas de bic, parce que ça abîme le film résistif. Et une fois endommagé, il n'y aura plus de détection correcte. Alors, mot de passe par défaut. Voilà. Et là, on va démarrer le serveur X, Start X. Voilà. Alors, le double clic n'est pas toujours facile à émuler avec le doigt. On a donné des informations complémentaires sur le wiki pour démarrer les applications avec un simple clic. Et là, on va s'amuser un petit peu, on va faire un arrêt, hop. Voilà, un petit environnement très sympathique pour démarrer des applications spécialisées, soit directement sous X, ou éventuellement en utilisant les librairies SDL et Pygame. Donc à partir de là, normalement, vous devriez pouvoir attaquer tout le système. Vous avez vu, pas besoin de moniteur. Juste petite information, l'écran reste dans cet état-là parce que forcément l'OS étant arrêté, le frame buffer
n'est plus rafraîchi et forcément plus aucune information envoyée vers l'écran. Ben voilà, merci pour d'avoir partagé ce petit moment avec nous. J'espère que vous aurez trouvé ça très intéressant. À tout bientôt.